Bonjour, alors avant toute chose, des nouvelles du coro, du coco, du coronavirus. Eh bien, comme on peut voir, Téléfoot et ses Cantelou privés de public à cause du coronavirus. Donc bientôt, peut-être que dans les 12 coups de midi, eh bien, il n'y aura plus du tout de public. Donc ça serait super bizarre. Donc, puis bon, comme je vous ai dit donc, dans d'autres vidéos, bah, les bisous et les hugs, etc., etc., bah, il n'y en aura peut-être plus. Donc on verra plus tard. Et puis alors maintenant, j'ai vu qu'il y a une autre façon de dire bonjour, c'est de checker avec le coude. Donc c'est les 12 coudes de midi. Et puis bon, bah, sinon vous pouvez dire bonjour comme ça. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors Jean-Luc Reichmann avait mis ses baskets roses. Le maître de midi avait fait encore un selfie, nous a sorti son cahier. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais franchement, il bosse vraiment pour, comment dire, en plus, bon, il doit avoir une super mémoire, donc bon, voilà, on se demande s'il n'est pas un peu autiste sur les bords, parce que bon, pour avoir une mémoire aussi exceptionnelle, donc c'est assez spécial, mais bon, il a des lacunes un peu zarbies, vous verrez un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, la première question, à quel enfant fait référence le 3D NES, donc ça n'a aucun rapport avec un Nescafé. Après, donc, vous aviez Benjamin. Alors, pour Benjamin, sur quel appareil 76% des auditeurs écoutent-ils la radio? Donc, c'était sur Autoradio. Après, donc, vous aviez Charlotte. Alors, quel mot-clé faut-il mentionner dans son profil pour avoir le plus de chances de matcher son Tinder? C'était bio. Why not? Et puis après, vous aviez la mignonne Stéphanie du Luxembourg, qui avait un très joli sourire. Alors, quelle chanteuse déclare sa flamme à son petit ami avec le tube de Pouf, donc c'était Camilla Camilo, je crois. Ensuite, pour le maître de midi, alors là, c'était super rigolo, parce que comme je vous ai dit,